Partie de pétanque improvisée sur les abords du canal, Johan et Laura sont venus titiller le Cochonnet pour ressentir un peu l'ambiance du sud de la France à Bruxelles. Jusqu'ici, l'ambiance est la même que dans le sud de la France pour jouer à la pétanque. Ah oui, c'est exactement pareil, avec un peu moins de soleil. Encore qu'aujourd'hui ? Oui, encore qu'aujourd'hui, c'est très ensoleillé. Il manque juste un peu de pastis et davantage d'accent. Sylvia, elle, est DJette polyvalente. Elle s'adapte à toutes les situations. Ici, ambiance urbaine au bord de l'eau, les gens qui lézardent au soleil semblent apprécier. On pense au soleil, aux chansons que les gens ont envie d'entendre, qui les détendent, qui leur fait du bien, qui leur rappellent des souvenirs. Voilà, on mélange un peu tout. En cuisine, Mama Ndenge régale la foule avec des plats congolais. Elle est présente sur le site de l'événement depuis une quinzaine d'années. J'ai fait la viande de chèvre qui est connue depuis que je suis à Bruxelles-le-Bain. Deuxième année de Bruxelles-le-Bain, j'étais là jusqu'aujourd'hui et des gens aiment bien manger ce que je prépare. Les cocktails ont la cote. Sur ce stand, on en vend une quarantaine par jour. Tout un art. C'est-à-dire que quand on boit un cocktail, il faut que ce soit bon, sucré, pas trop, mais que ce soit juste bon à la dégustation et qu'on sente pas trop l'alcool. Les enfants ne sont pas oubliés. Une kids zone leur est dédiée. De quoi les réjouir et réjouir leurs parents. Oui, je me réjouis bien. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce que tu aimes ici ? De sauter très haut. Il y a l'été, le soleil se couche pas avant 22h. Il peut faire éventuellement chaud, donc ils ont du mal aussi à s'endormir. Donc c'est bien de les laisser se défouler un petit peu pour qu'ils puissent après aller bien dormir. Comme vous pouvez constater, il est bien chaud là. Bruxelles-les-Bains, un moyen pour découvrir ou redécouvrir la zone du canal. Et ce, jusqu'au 12 août prochain.